Bonjour à tous et bonjour à toutes. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien, ceci n'est qu'une démonstration. Nous sommes en direct sur la page Facebook de France 3 Corse via Steel. Nous sommes place Saint-Nicolas et comme vous le voyez, la nacelle est en train de monter. Non, il n'y a pas une catastrophe, on ne va pas jouer le clash et l'exclu. En fait, c'est juste des baptêmes qui se passent ici en partenariat avec le Téléthon. Laurent Simon-Paul derrière la caméra, tu viens? On va juste aller leur dire bonjour, 10 secondes. Parce que c'est bien ce qu'ils font, il est allé se cacher, je sais qu'il est allé se cacher. Mille, il est là-bas. Bien, donc Thomas, Octavian qui à chaque fois se défile plus ou moins, juste 2 minutes. On va aller ensuite présenter une autre grosse opération qu'il y a juste là-bas au Café des Palmiers. Ouais. Comme tous les ans, les pompiers, partenaires de Téléthon pour faire des baptêmes, on va dire, des diplômes. Voilà, c'est des remises de diplômes aux enfants, donc différents ateliers, la grande échelle bien évidemment, la lance incendie, la tyrolienne avec nos personnels du milieu périlleux, le service de santé avec tout ce qui est réanimation, prise de tension, etc. Sur la place Saint-Nicolas et sur l'ensemble du département à différentes dates, bien évidemment. Impeccable, merci. Un mot à rajouter parce qu'il ne voulait absolument pas parler, il voulait que ça soit toi, alors ça touche à toi. Si vous voulez, on peut vous faire monter sur l'échelle pour que vous ayez un beau plus. Alors, ce que je propose, c'est à Laurent, c'est qu'on aille parler vite fait de ce qui se passe là-bas parce qu'on devait en parler avant 11h et comme on est en direct, ça file vite. Et après, on revient faire une petite échelle, voilà, Laurent. Et on vous fait un tour sur la grande échelle. Est-ce qu'on aura droit, nous aussi, à notre diplôme? Et on vous fera un diplôme, bien entendu. Bon, vous l'avez compris, plein de choses se passent aujourd'hui, place Saint-Nicolas à Bastia. Il est quoi? 10h49, vous êtes avec nous, profitez-en, la pluie s'arrête. Vous venez avec vos enfants, avec votre famille, en balade, place Saint-Nicolas, ben, il y a ça, il y a le Téléthon, il y a des ateliers avec les pompiers. Alors ici, mais Octavien vient de le dire, pas que ici, sur l'ensemble du département. Et une fois que vous êtes place Saint-Nicolas, pourquoi ne pas participer à une autre opération? Alors, celle-ci se passe à l'intérieur. Vous avez juste à traverser la route en faisant attention, Laurent, bien entendu. On en profite pour dire bonjour à Sandrine, à Vanina Boromey, à Fabio qui nous regarde depuis la Belgique, à Pascal et à Nadine. On arrive au Café des Palmiers, on est en direct. Et en fait, une autre ambiance ici, puisqu'il est 10h50 et... une forme de tension et d'agitation, un peu de stress aussi. Oh, un tout petit peu de stress. 10h50, c'est dans 10 minutes. Paul Rognon, bonjour. J'ai pas encore dit ce qu'on venait montrer ici. Explique-moi, on est en plein enregistrement, on a un logo juste derrière nous. Ouais, ça va, on commence à comprendre. Voilà, on est dans Agora et on est à Bastia, donc bar les Palmiers sur la place mythique de Bastia. Et on va présenter, on va enregistrer 3 émissions d'Agora en fait cet après-midi. Vite fait, parce qu'il y a peut-être encore des gens, comme c'est une nouvelle émission, qui ne connaissent pas encore vraiment le concept. Agora, le nom l'indique, un lieu, une place, la place de discussion. Exactement. Des thèmes variés à chaque fois. C'est un rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches à 18h30 et Sébastien Pisani qu'on voit en train de relire ses fiches aborde spécifiquement un thème avec 3 invités mais aussi des invités vidéo et aujourd'hui on enregistre donc 3 des émissions. La représentation de l'homosexualité en Corse c'est tout de suite à 10h30, à 14h cet après-midi, à 11h pardon, oui, 10h30 c'était se mettre en place, à 14h cet après-midi c'est la culture, est-elle économique obligatoire? On va interroger cette question qui est souvent prégnante. Exactement. Et puis la Corse sous les eaux, ça sera l'émission de 15h. Avec tout ce qui pleut ces derniers temps, c'est une bonne question. C'est évidemment la question de la montée des eaux, l'érosion des plages et puis le changement climatique qui va être au cœur de cette émission. Ce n'est pas les premières émissions enregistrées. Vous avez déjà fait une session à Ajaccio, session à Porto-Vec, ça s'est bien passé. Et oui, et une à Corte aussi, ça s'est très bien passé. Là, on enregistre donc l'émission de 10 à 12. Et c'est nos rendez-vous hebdomadaires qui sont enregistrés un petit peu à l'avance. Et comme je ne l'ai pas encore dit, bien entendu, c'est une émission France 3 Corse du Astel et... François Corvignacel et Mario Deragno, voilà. On va aller en mettre ça, tu crois? Oui, il va être très content. Oui, Laurent? Ah oui, mais je suis bête. Mais évidemment. On attend le public puisque vos questions nous intéressent, votre regard nous intéresse et c'est une émission participative. Donc à partir de 13h45, vous pouvez vous installer avec nous et venir poser vos questions sur les deux thématiques. Alors il y en a qui commencent à poser des questions. Je suis désolé pour Cathy qui nous embrasse depuis la Drôme. Ça va être un peu compliqué pour venir au Café des Palmiers à prochain rendez-vous, 13h45. 45. 45.
Pour les autres, ils sont bienvenus. Il suffit de venir ici, il n'y a même plus besoin de s'enregistrer. Vous venez au Café des Palmiers, Place Saint-Nicolas. Il y a quelqu'un qui va vous accueillir en disant voilà, vous pouvez, il faut. On vous offre même le café. Voilà, parce qu'on est des gens civilisés. Alors, quelqu'un qui normalement, quelqu'un qui est civilisé dans la vie de tous les jours, mais qui là l'est peut-être un tout petit peu moins parce qu'il y a une sorte de pression. Légère, une petite tension on là. On se sent détendu. Ah oui. Seb, comment. Alors, le premier thème, on va parler d'homosexualité là d'ici 10 minutes. Ensuite, on va parler de la culture et de l'économie et de la montée des eaux. C'est ça. Qui choisit les thèmes ? Oh bah écoute, c'est une discussion que j'ai avec Paul, avec qui tu viens de parler, avec toute sa petite équipe de Marais Terragne. On essaie de trouver des thèmes qui sont vraiment liés à ce qui peut faire l'objet de discussions autour des agoras naturelles que sont nos terrasses de café. Nos terrasses de café qui étaient déjà il y a bien longtemps la place du village, la c'est place ça. De la Fontaine. Voilà. Ou la on n'a rien inventé. On n'a rien inventé, mais c'est assez sympa de le remettre comme ça en situation pour la télé. Toi, à titre plus personnel, c'est une nouvelle aventure. Comment on se prépare psychologiquement juste avant de lancer l'enregistrement ? Écoute, j'ai l'impression d'être dans une opération commando, hein, puisque le reste du temps, je travaille à Corse Matin, et puis on a toute cette préparation en amont avec Marais Terragne. Non, c'est vraiment une super belle aventure, parce que en tant que journaliste, hein, le plaisir c'est d'être avec les gens, de les rencontrer, de les faire réagir, et là on est vraiment au cœur de ça avec cette émission. Bon, je vais te laisser te concentrer, parce que c'est vraiment le direct, c'est vraiment dans 6 minutes. Ça se passe à partir de 11h ici au Café des Palmiers, mais ça se passe aussi cet après-midi à 13h45. Vous pouvez venir. On ressort, Laurent, si tu veux. Ça se passe, si vous voulez y participer, ça se passe à 13h45 la prochaine session. La prochaine session, ça sera sur l'économie et la culture. Et ensuite, l'enregistrement sur le climat, ça sera à 15h sur le climat. À 15h, changement voilà. Climatique, la Corse sous les eaux. Et donc, vous pouvez venir. Oui, je sors. Vous pouvez venir tout simplement, Café des Palmiers, pour participer à cette émission et vous verrez comment ça se passe tout simplement. La discussion, parce que c'est intéressant, mais aussi comment se passe l'enregistrement d'une émission comme ça que vous retrouverez ensuite sur France 3 Corse Via Stade. Est-ce qu'on le fera une autre fois, la nacelle ? En attendant, sachez que juste en face, sur la place Saint-Nicolas, on l'a dit tout à l'heure, il y a des pompiers qui sont là pour faire des démonstrations, des ateliers avec les enfants. Je n'ai pas vraiment eu le temps de dire bonjour à nos invités, Cathy, Pascal, Fabrizio, Gilbert, ils sont tous avec nous. Nous, on est en direct pour l'instant. Place Saint-Nicolas, on va couper et on va se retrouver d'ici, Laurent, même pas 10 minutes. D'ici 10 minutes, on se retrouve avec notre invité. Bonjour. Bonjour. Bonjour, rebonjour, parce qu'on s'était déjà vu. Habitudes, oui. Ah ben maintenant, ça devient un des rendez-vous qu'on va avoir sur France 3 Corse Via Stiel, sur notre page Facebook. Une balade dans Bastia, une balade historique. Allez, faites-nous le teaser en trois mots. On va parler de quoi ? Alors, nous allons découvrir quelques belles demeures bastiaises du 19e siècle et comprendre ce qu'avaient voulu les élus de l'époque. Quelle était la politique au 19e concernant l'habitat dans le vieux Bastia ? On en parlera tout à l'heure avec M. Perret. Oui. Et retrouvez-nous sur la page Facebook de France 3 Corse. 10 minutes, à tout à l'heure.